Yo, salut à tous et bienvenue sur Locan.jp. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler de Watch Faces, des Watch Faces que j'utilise donc sur mon Apple Watch, ça va de soi. Je fais une petite parenthèse en début de vidéo pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est surtout un jour d'iPhone X, comme ils disent, et d'iPhone X, comme je dis, et même les mecs du support disent ça, les mecs du support Apple, parce que c'est écrit avec un grand X, tout simplement. Ma commande est passée ce matin, comme vous le savez, je vous tiens au courant de tout ça, parce que, tout simplement, il y a eu une cagnotte faite par les lecteurs de Locan.jp pour me permettre d'acheter un iPhone X. C'est très noble, c'est très généreux de votre part, et je vous dirai encore, encore, et encore, et encore merci. Donc, j'ai passé la précommande ce matin, et j'aurai l'iPhone au moment de la sortie officielle, donc le 3 novembre, vendredi matin, j'espère. Il y avait pas mal de stock, j'ai été assez surpris, pendant 5 bonnes minutes, presque 10, il y avait du stock retrait en Apple Store sans trop de problèmes. Moi je suis sur Toulouse et je testais avec un retrait à Montpellier par exemple, et il y avait même du stock en livraison à domicile pour le 3 novembre, alors que l'iPhone 7 Plus par exemple, c'était vraiment catastrophique pour en avoir, et la preuve, je l'avais eu la semaine d'après la sortie officielle. Sur l'iPhone X, c'est pas le cas, il y avait du stock, là ça a glissé à 5 à 6 semaines. Donc si vous commandez maintenant, ça arrivera courant du mois de décembre. C'est à peu près le délai de livraison que je m'attendais à avoir, même en étant très réactif, etc. Et je suis quand même vachement surpris qu'il y ait eu du stock au tout début. Peut-être que les gens qui sont intéressés par l'iPhone n'ont pas compris entre guillemets comment fonctionnait le principe de réservation depuis l'application iPhone et qu'ils ont attendu que ça soit disponible sur le site internet, donc perdu un petit peu de temps. Peut-être donc que c'était des gens un peu moins habitués, mais je trouve quand même bizarre qu'il y ait eu du stock. Tant mieux, mais c'est un peu contraire à tout ce qu'on nous disait. Bref, aujourd'hui je vous parle des Watch Faces qu'il y a sur, en l'occurrence, l'Apple Watch série 3 cellulaire, que j'ai toujours en test au moment où je fais cette vidéo. Et puis c'est une vidéo super conne, encore une fois, merci beaucoup pour l'iPhone. Je vous montre de suite ce qu'il y a sur cette Apple Watch cellulaire. Alors, la première Watch Face que j'utilise, c'est évidemment la Siri Watch Face, qui a été présentée lors de la conférence de la Worldwide Developer Conference. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier? Rien en fait, ou pas grand chose. Elle vous affiche automatiquement des trucs qui sont censés correspondre à ce que vous faites au moment où vous allez faire, ou légèrement par anticipation. Elle est censée représenter l'intelligence de Siri, et c'est pas vraiment vraiment le cas. Donc c'est ma toute première Watch Face, avec en haut l'activité, parce que gros mordu d'activité, vous le verrez après, et en bas, en bas il n'y a rien en fait. En haut à droite c'est la date, c'est le seul truc qui est personnalisable également. Donc on a le Siri Watch Face avec, en l'occurrence ça. J'aimerais qu'il soit possible de désactiver le fait que les photos s'affichent, par exemple. J'ai pas envie de voir mes photos, j'aimerais voir davantage d'événements, j'aimerais voir mes rappels, je les vois pas si j'ai pas mis de date d'expiration, etc. C'est un petit peu dommage, ça manque d'informations en fait, ça manque vraiment de trucs, et en fait là en réalité j'ose pas vraiment scroller parce que je sais pas trop ce qui peut se passer, pourquoi il y a tout ça, je sais pas. J'aimerais vraiment pas qu'il y ait des photos, j'ai pas envie que ça m'affiche de respirer, etc., puisque j'utilise pas la fonction respirer. En revanche, ça serait bien que ça m'affiche du HomeKit, parce que en ce moment je suis chez moi, donc ça devrait me proposer plusieurs scènes HomeKit que j'utilise normalement à cette période là, etc. Deuxième Watch Face, c'est la Watch Face activité que j'utilise quasiment tout le temps. En haut, l'application entraînement, en haut à droite les messages, avec depuis WatchOS 4 la possibilité d'avoir, enfin la possibilité, vous n'avez pas le choix en réalité, ça affiche le nombre de messages que vous avez en attente, ça c'est cool. L'heure, le cadran d'activité, donc moi j'ai un objectif de 500 calories si jamais vous vous posez la question, et en bas la date avec qui me permet d'être en raccourci pour le calendrier. Ensuite on a celle-ci, modulaire, en couleur, donc en haut la date, l'heure, etc. Le rythme cardiaque, parce que je trouve ça cool de savoir où j'en étais et si ça serait bien que ça fasse une mise au point. Voilà. En bas à gauche, Waterminder. Au milieu, Shazam. Et ensuite, les messages à nouveau. Et la dernière, enfin, qui est celle-ci, qui est le cadran qui vous permet d'afficher la connexion cellulaire sur un Apple Watch cellulaire. Au milieu du cadran, on va s'afficher la connexion cellulaire. En haut à droite, les conditions météo, en haut à gauche les conditions météo, en haut à droite les messages. Je suis en train d'avoir une crampe à l'épaule, c'est une horreur, j'ai fait ça hier en muscu, en plus je suis en train de souffrir. En haut à droite les messages, et en bas le calendrier. Et donc durant la journée, si je vous parle des Watch Faces que j'utilise, c'est tout simplement parce que je pense enfin, au bout de 3 ans que j'ai des Apple Watch, à avoir trouvé un truc qui me correspond vraiment sur les Watch Faces, d'avoir 4 Watch Faces qui correspondent un petit peu à ce que je fais en fonction à différents moments de la journée.
Donc durant la journée, je vais utiliser celle-ci ou celle-là. Celle-là me sert de raccourci le soir pour avoir le sport, etc. et pour me motiver. Celle-là, durant la journée, va me permettre de loguer du Waterminder ou d'enregistrer de la musique, etc. et de voir où en est mon cœur. Celle-là est bien le matin parce qu'elle va m'afficher la météo de la journée les potentiels premiers rendez-vous. Et celle-là est quand même un peu plus classe s'il faut mettre une chemise, etc. par exemple. C'est aussi simple que ça, il n'y a vraiment rien de compliqué. J'ai une foutue crampe, alors je suis désolé, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous, rien que de tourner le bras, ça fait du bien, oh oui. Je vous fais des gros bisous, vous voyez mes petits doigts qui s'articulent à la caméra et ça ne sert à rien. Cette vidéo dure 3 minutes 14 et c'est magnifique. Je vous laisse avec Pi, ciao.